coucou à tous. On se retrouve, on est de nouveau dimanche. On a fait les ATG automne et maintenant on va faire une carte hiver. Donc je vais utiliser toujours pour le partenariat Innovarts Dye. Donc j'ai fait la découpe avant parce que ça a été un peu galère à nettoyer. Donc j'ai fait ma découpe et ensuite je suis venue tout nettoyer, c'était un peu galère. J'ai essayé de mettre, comme j'avais entendu, une lingette de sèche-linge, mais enfin, ça n'a pas fonctionné, ou alors j'ai mal fait, bref. Donc, j'ai pris une base 15-15, ensuite j'ai pris, j'ai coupé un carré de 14,5 sur 14,5 dans les blocs, comme ceci, voilà. Ensuite, dans des chutes d'un bloc d'action que j'avais mis de côté, c'était un bloc sur le thème de l'hiver, j'ai découpé ce morceau de 14 sur 14. Ensuite, je vais découper, je vais reprendre une feuille de papier blanc. Ça va être une carte encore assez simple, hein, mais... Moi, c'est ce que j'aime. Donc, on va couper un morceau de 7. Et voilà. Ça, il fallait que ça arrive. 7 sur... on va dire... 10. Allez, 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 11, pardon. 7 sur 11. On va venir mettre comme ceci. Donc, on va reprendre notre papier bleu. On va faire une découpe de 6,5 sur 10,5. 6,5. Hop, on appuie. Sur... 10,5. On va venir mettre comme ceci. Et ensuite, on va reprendre une chute. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, déjà, il faut que ça... on peut prendre celle-ci. J'ai dit combien? Donc là, 6 sur 10. Si je ne me trompe pas. 6... 10 qui viendra comme ceci. Voilà. Donc déjà, ensuite, donc bon, je suis un peu dégoûtée, je voulais faire cette grosse tasse de chocolat, mais au final elle rentre pas dedans. Donc j'ai trouvé une autre petite tasse de chocolat qui doit venir d'Action, je crois. Donc elle rentre à peu près. Ouais. Donc je vais venir tamponner ça et je vais mettre ça. Donc j'ai été chercher l'encre. Je vais essayer de non, je me suis trompée. Bon, je vais essayer avec la même manteau. Si elle va pas, j'irai chercher. Parce que j'ai l'impression qu'elle, voyez. Plus d'encre dessus, je crois qu'elle est morte. Ouais, ça va, ça peut passer. Bon, on va essayer. Donc je vais faire mon tamponnage. Par contre, je ne sais pas si je vais coloriser ou pas. Je pense pas parce que c'est un tout petit tampon. Voilà. Donc, ceci. Ça va venir comme ça dedans en 3D. Je ne sais pas. Je vais peut-être coloriser la tasse quand même. Je vais voir.
Bon, je suis quand même venue coloriser à la va-vite avec les graphites. Je pense que ça va faire quand même plus joli qu'en noir et blanc. Donc, déjà, on va ancrer tous les bords de nos papiers. J'ai pris cette encre. Voilà. J'espère que ça va aller. J'ai pas encore testé. Je vais ancrer, ensuite on va venir tout coller. Donc on va coller celui-ci. Bon, je vais essayer de coller au fur et à mesure parce qu'après je vais coller celui-ci. Hop. Ici. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va ancrer ça. Ça, je vais la mettre là. Ça, ça va venir ici. Hop. On va coller celui-ci. C'est pas celui-ci. On adore faire des conneries. On va coller hop celui-ci puisqu'il y a la colle. Et ensuite, on va venir coller ça. Hop là. Voilà. Ça, on va le coller ici. Je fais un peu comme je le sens. On va coller ici, on va dire à peu près. Voilà. Maintenant, on va venir coller notre ruban qui est ici. Donc, notre ruban, nous allons le mettre ici à peu près. Ouais. Après, je vais essayer d'aller manger un petit quelque chose. Comme ce matin, j'avais très mal au crâne. J'ai pris un médicament pour la migraine et maintenant j'ai mal à l'estomac. Voilà, voilà. Vous connaissez tous mes petits malheurs. Donc, on va coller je pense que on va peut-être mieux comme ça. Donc là, on va galérer. Non, pas, ça va. On va coller ça ici. Bon, c'est une double phase d'action. Hein. Voilà, voilà. Si je le colle à l'endroit, c'est un peu mieux. Hop. On va venir le passer derrière. Le passer derrière. Ensuite, nous allons coller. Ouais, on va coller ça maintenant. Donc, on va faire notre petit ancrage. Hop.
j'avais fait une bêtise. Hop. Je suis seule avec mon fils et en fait, je l'entends, il est dans sa chambre. Je l'entends parler à ses jeux vidéo comme si il était juste là à côté de moi. C'est un pénible. Donc, on va coller ça comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir coller ça ici. Hop. Voilà, et on va venir mettre notre petite tasse en 3D. Hop. Ça colle. Bon, pour la carte, j'avais l'idée dans la tête. Pour la déco, je vous avoue que ça va être encore à l'impro. Hop, ma petite tasse. Je pense que je vais en remettre un dessus. J'ai envie que ce soit bien, bien en 3D. Hop. Voilà, donc on va venir la coller comme ceci. Ça, le rond, il s'est fait avec le die. Hein, parce que dans le die, vous avez, si vous voulez, vous pouvez décrocher le rond. Vous voyez, moi, je l'ai laissé et ça me fait quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, on va venir voir ce qu'on va faire pour la déco. Donc, hop, on va ça par terre. On va venir découper du feuillage. Je suis pas sûre que ce soit vraiment des feuilles. Hiver. Bon, si, de toute façon, les feuilles hiver ou automne, c'est des feuilles. Quoi. Ouf, là, vous êtes en train de bouger. S'enlever. Hop. On met la plaque a bien gondolé. Je sais pas pourquoi. Hop. Peut-être en faire une en blanc. Et là. Voilà. Je vais lever.
Mettre un petit bouquet de feuilles comme ceci qu'on va venir coller. Je sais pas si je vais mettre celle-ci, je vais voir. Ensuite j'ai pris des fleurs parce que moi j'aime ça mettre des fleurs, donc on va peut-être mettre une fleur ou deux. Trop grande, pas trop petite. J'aime bien celle-ci. On fait un petit peu de bruit. Hop. Elles sont sur des pinces à linge, mais je vais les enlever. Hop. Je vais venir mettre Ah oui, je voulais mettre ça. Hop. Donc, peut-être je vais mettre ça avant. Hop. Et après je mettrai les fleurs par-dessus. Ouais. Donc on va déjà commencer à coller les feuilles. Hop, je vais peut-être prendre un petit embout. Hop. Donc. On va mettre ça comme ceci. On ne les colle pas entière. Ouf. Voilà. Ensuite, on va mettre la blanche. Très, très mal à l'estomac. Hop. Hop là. Ça, on les colle pas entière, on laisse un petit peu. Ensuite, on va mettre le Let It Snow. Bon, il y a déjà de la du 3D, mais je remets un bout de colle quand même. Hop, on va le mettre comme ceci. On va venir coller des fleurs. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, même si c'est négatif, hein, c'est pas. Voilà, on a le droit d'avoir chacun son opinion. Celle-ci, on va mettre en dessous. Et on va venir mettre celle-ci. Je ne sais pas. On va mettre celle-ci par ici. J'avais aussi envie de mettre un petit nœud. Bon, là, pour que ça colle, il va falloir attendre hein, quand même. Hein. Surtout ces fleurs en 3D, j'aurais dû mettre. Je pense que je vais mettre pistolet à colle, je pense. Hop. Alors là, on a une grosse galère. Excusez-moi, je reviens. Bon. J'ai eu quelques petits soucis avec la vidéo. Je pense que comme j'ai filmé plusieurs vidéos à la suite, la carte était trop pleine sur le téléphone et ça m'a coupé la vidéo avant la fin. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai collé les petites fleurs ici, des demi-perles, des sequins par ici. Et voilà la carte sur la base et ça a été terminé. Ben voilà, j'espère que ça vous plaira malgré tous ces petits problèmes que j'ai eu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez mettre des petits pouces en l'air ou en bas
comme bon vous semble. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!